Jérôme Vaquier. Directeur artistique de la compagnie des Lucioles. Une compagnie de théâtre qui est installée en Hauts-de-France. Et je dirige cette compagnie depuis une vingtaine d'années. Et il y a 15 créations à ce jour qui ont été proposées dans le cadre de cette compagnie. Et j'ai suivi en amont de la création de cette compagnie une école nationale de théâtre, l'école de la Comédie Saint-Étienne. Et puis j'ai vécu plusieurs années au Japon pour travailler sur la codification et la gestuelle du théâtre japonais et influer cet apprentissage que j'ai pu acquérir au Japon dans les créations de la compagnie des Lucioles. J'ai donc découvert le texte Home Movie pendant le premier confinement. C'est un texte qui n'était pas encore édité et que l'autrice Suzanne Joubert, qui est une autrice marseillaise, m'avait envoyé. Donc j'ai lu beaucoup de pièces pendant le premier confinement. Et cette pièce, qui a été écrite en 2019, qui vient d'être éditée là en décembre 2021, au Solitaire Intempestif, évoque la thématique du racisme rampant dans la société française. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, le racisme peut-être en France n'est peut-être plus caché et avec des mots des fois très simples, les gens disent des atrocités et c'est ce qu'elle a voulu essayer de dire dans cette pièce-là. En fait, l'origine de l'écriture, c'est un jour, elle s'est retrouvée dans un café, sur une terrasse. Donc ça, c'était juste avant le confinement. Elle lisait un livre et à côté d'elle, il y avait un groupe de personnes, de 8 à 10 personnes. Et puis, tout à coup, en fait, elle n'arrivait plus trop à lire et elle a tendu l'oreille et elle a entendu des mots qui étaient pour elle très violents, atroces, qui étaient, très racistes, mais dit avec une grande simplicité. Et elle n'a pas pu réagir tellement elle était sous le choc. Et elle a travaillé pour écrire ce texte Home Movie, qui est l'inverse de Road Movie. Donc Road Movie, où on va voir vers les autres, où on va voir l'extérieur pour grandir et se construire. Et Home Movie, c'est le côté inverse, c'est-à-dire que ce sont des gens, et nous tous, on se filme tous les jours, où on filme nos vacances, où on filme en fait nos petits moments délicieux. Et après, on regarde ces moments en famille et on est très content de regarder ça. Mais on se referme peut-être un peu sur nous-mêmes en pensant qu'on est les meilleurs et qu'on est extraordinaires. Et donc, c'est la thématique de la pièce, c'est des personnes, donc 4 personnes qui ne veulent plus aller voir les voisins ou ne veulent plus, pensent que les voisins sont des personnes qui vont apporter le mal dans leur quotidien. Alors le texte, en fait, Home Movie, est un texte en fait où l'autrice a évoqué que la pièce pouvait se jouer à partir de 2 jusqu'à 40. C'est-à-dire que finalement les mots qu'on emploie sont des mots donc simples, extrêmement simples, pour montrer ce côté avec des mots très simples, on peut dire l'indicible. Et donc nous, on a choisi de travailler, donc on a distribué le texte sur quatre personnages. Donc je suis accompagné de 2 comédiennes sur le plateau qui ont du texte, donc on s'est réparti le texte et on a essayé de créer en fait un univers avec 2 personnes très grandes, 1 personne beaucoup plus petite, donc d'avoir un univers un peu clownesque comme ça, un peu... décalé. On a plutôt 2 asperges et une comédienne un peu plus petite, un peu plus forte. Et on a une autre comédienne qui est plutôt artiste musicienne et elle amène en fait un univers plus poétique. C'est-à-dire que ces 3 personnages sont dans leur ligne droite de racisme en fait. Dès que finalement ça va
à peu près, à un moment, ça va bien. Et hop, il y a une chose qui vient perturber leur quotidien. Et tout de suite, on attaque l'autre. Et la quatrième personne va évoquer une sorte de dame nature ou de personnage céleste ou de personnage narrateur ou de personnage qui est à l'extérieur d'eux et qui essaye de faire prendre conscience à ces gens à certains moments qu'ils sont atroces, mais eux ont des œillères, les trois ont des œillères, et ils ne voient rien, ils ne voient pas ce qui les entoure, ils ne voient pas la beauté de la nature, ils ne voient pas la beauté des gens, ils ne voient pas la raison de vivre, en fait, la raison de vivre. Le racisme ordinaire, donc c'est une terminologie qu'on utilise aujourd'hui maintenant en sociologie pour évoquer le racisme rampant dans la société française, ordinaire. Et donc là, la thématique n'est pas forcément sur les migrants et sur le fait de ne pas accepter de migrants en France. C'est en fait tout simplement sur le voisin, la personne qui est à côté de nous, qu'on ne va pas aller vers elle pour apprendre à la connaître, mais tout de suite on va penser qu'elle peut être négative pour nous. Donc ce texte fait aussi un écho avec le Covid, puisque on a été pendant 2 ans un peu repliés sur nous-mêmes, à ne pas pouvoir assister à différents spectacles, à différents films, à ne pas sortir de chez nous. Dans la pièce, on parle souvent des voisins, que les voisins, en fait, ils font du bruit, les voisins, ils ont des enfants qui sont dehors, les voisins ont des chants bizarres, les voisins ont des enfants bizarres. Donc ces personnes, pour exister finalement, disent des choses désagréables sur les autres. Et ça permet en fait de se sentir vivre. Ce qui est du coup, petit à petit, dans la pièce, ils se considèrent comme les derniers du genre humain, et en fait ils sont très bien en étant les derniers du genre humain, puisque comme ça ils n'ont rencontré personne, ils n'ont vu personne, et ils sentent les meilleurs, et en tant que Français, souvent on pense qu'on est un peu chauvin et on peut être les meilleurs, et que la rencontre de l'autre n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de rencontrer l'autre. Nous, on a voulu la traiter aussi de manière un peu peut-être clownesque, ou un peu sur le fait qu'on ait des personnes font la fête, organisent par exemple un 31 décembre, et un 31 décembre, on s'amuse, on rigole, on s'amuse, on organise des sketchs pour faire rire les copains ou faire rire les amis. Et puis donc là, on essaye de faire rire un peu le public. D'ailleurs, le public hier a applaudi à certains moments. Donc, il y a une sorte de fête. Et puis, au milieu de cette fête, en fait, se disent tout simplement des atrocités. Et aujourd'hui, finalement, ces atrocités dans notre pays, elles sont acceptées, alors qu'il y a quelques années, elles ne l'étaient pas, en fait. Elles n'étaient pas acceptées. C'est pour cette raison qu'on parle de racisme rampant dans la société française, que de plus en plus, c'est accepté. Et donc, on a voulu, en fait, montrer des personnes très racistes sur le plateau, et donc très idiotes, et pour justement prendre un recul, que le spectateur puisse, en fait, se dire « Non, mais c'est pas possible qu'il y a des gens qui vont jusque-là, quoi. » Il y a des gens aujourd'hui qui vont jusqu'à cette bêtise-là. On a essayé d'amener ce côté aussi un peu kitsch, festif. Finalement, derrière cette vitrine ou derrière cette façade très sympathique, amusante et rigolote, se cachent quand même un peu des monstres. Et l'autrice, elle a évoqué, en fait, dans le résumé du texte, elle a parlé du courant qui s'appelle Apocalypse Joyeuse. Donc c'était avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un courant artistique
qui était que finalement, on sentait que la montée du nazisme, mais on ne voulait pas le voir. Et donc, on faisait beaucoup la fête, en fait. Il y avait beaucoup de cabarets, il y avait énormément de fêtes. Et donc, en fait, on a essayé aussi de... Aujourd'hui, dans notre société, et là, avec ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe avec les élections présidentielles en France, eh bien, il y a comme ça une sorte de montée de choses qu'on sent sous-jacentes, qui est terrible, mais on ne veut pas le voir, en fait, comme cette guerre en Ukraine. En fait, on ne voulait pas le voir, en fait. Personne ne veut le voir, ne veut voir ça. Et donc là, c'est pour ça qu'on a, des costumes avec des paillettes. On fait comme si tout allait très très bien, mais en fait, ça ne va pas très bien. Le mouvement qui me plaît, c'est de jouer la pièce en entier. C'est-à-dire que finalement, c'est un mouvement qui est le sens de mon métier et qui me refait, qui me fait à nouveau renouer les liens avec l'artistique.